strictement rien n'est réglé. Édouard Philippe prétend passer en force, Macron prétend passer en force. Et on sait qu'on est engagé dans une mobilisation sur un temps long, puisque ce qui est probable, c'est que le gouvernement soumette cette réforme au vote du Parlement avant les congés. On voit un début de mobilisation dans la jeunesse, aussi bien chez les lycéens que chez les étudiants. On a d'autres secteurs qui continuent à se mobiliser. Et donc pour nous, le combat contre la réforme des retraites va se poursuivre. Retrait, retrait, retrait du projet.